Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a décidé de vous filmer un haul dans le fond des choses qu'on a achetées pour l'automne. Pas nécessairement. Moi en fait c'est comme plus mon haul de New York. Ben ça compte des trucs d'automne parce que c'est des trucs que tu veux utiliser pour l'automne. Mais moi c'est quand même des choses que j'ai achetées à New York. Donc c'est ça, c'est des choses qu'on va utiliser cet automne. On va commencer avec ce qui est maquillage. Ouais, c'est ce que j'ai acheté au Sephora à New York. Mon premier gros affaire que ça fait longtemps que je voulais pis j'étais oh non c'est trop cher pis... Tout le monde a déjà ça, fait qu'ils s'en foutent, là, mais j'ai acheté la Naked 2, la palette Naked 2, parce que moi je l'avais pas. La première, je pense, c'est même pas une vraie, en tout cas. C'est ça, que je l'ai acheté, tout le monde sait où. Tout le monde sait à quoi ça ressemble. Ouais, ça, là, je l'aime beaucoup. C'est ça que j'utilise depuis, à tous les jours depuis que je l'ai acheté. Fait que je l'aime beaucoup. Puis en plus, ouais. C'est ça, je suis rentrée au Sephora, j'ai fait, je vais la chercher tout de suite. Ensuite, l'autre chose que je voulais vraiment, à vraiment acheter, c'est ça ici, c'est comment ça s'appelle? Un duo de poudre pour les sourcils de la marque Anastasia. Anastasia. En tout cas, tu sais, le comme ça là, que tout le monde a aussi. Mais je l'ai pris dans la couleur caramel. Tu le vois? Ouais. Ok, c'est bon. Je l'ai pris dans. Oh, je l'ai pris dans la couleur caramel parce que mon but en achetant ça, c'est de rendre mes sourcils plus pâles parce qu'ils sont déjà. Ils sont full foncés puis que ça fit pas beaucoup avec mes cheveux. Fait qu'avec ça. Le plus pâle, ben ça fait moins pire. Puis pour aller avec ça, parce que j'avais dû, j'ai déjà des pinceaux, mais je me suis dit, hey, j'en ai besoin d'un juste pour ça. Je me suis acheté un pinceau pour. Oh! Un pinceau pour sourcils, pour remplir les sourcils pour. Avec ma poudre. C'est de la marque Sephora. C'est des. Oui. C'est un blush de Tarte. Ça paraît trop beau quand on écoute des vidéos. Tarte. Ouais, c'est ça. Je passais devant les choses de Tarte. Puis il y en avait tout plein, j'étais là, ok. J'en prends un, mais je sais pas lequel. Fait que là, je regardais. Au début, je checkais les couleurs, elles sont toutes belles. Puis après ça, je me suis mis à regarder les noms. Puis lui, ce nom-là, c'est Expose. Il me disait quoi. Fait que je me suis dit, si je m'en souviens, c'est parce que je l'avais trouvé beau, puis je le voulais. Fait que ça ressemble à ça, là. C'est une espèce de. De rose. Rose nude, je sais pas. Puis le dernier, je l'ai pris encore plus spontanément avant d'aller à la caisse. C'est un parfum, en fait. Ah, c'est la Abby. Mais ouais. Fait que c'est le Daisy de Marc Jacobs. Puis c'est la Abby, là. Parce que tout le monde disait qu'il sentait full bon. Je me suis dit, ah, pourquoi pas? C'est vrai que ça va. Je suis pas allée au Sephora et encore moins celui de New York. Mais néanmoins, j'avais quand même deux produits pour les lèvres à vous présenter parce que je les aime beaucoup. Donc c'était vraiment spontané, ok? J'étais allée au Walmart, mais j'allais vraiment pas au Walmart pour acheter ça. Le premier que j'ai ici, c'est de Revlon. Ça va être les lip butter. Ouais, c'est ça, je me dis. Les lip butter. C'est ça. J'étais juste pour ça. Donc, il y a les lip butter de Revlon. Puis j'ai acheté. Cette couleur-là, il me semble, il y a plusieurs personnes qui l'ont acheté, qui en parlaient, puis qui disaient qu'elle était vraiment belle. C'est Pink Lemonade. Donc, 0,47. Puis, pour vrai, là, je suis surpris, mais je l'aime. Je regarde sur ma main, je peux voir, ça a l'air d'être bien avec mon teint. Là, je l'essaye sur mes lèvres, puis on dirait qu'à une minute, j'en mets un peu, je suis comme, non, pourquoi, là, tout ça. La couleur est vraiment belle, mais on dirait, je le sais que je ne mettrais pas pareil, même si je l'ai acheté, mais lui, là, je le mets vraiment. Lui, ok, là. Je sais pas quand est-ce que je vais être game de le porter, mais wow, ok. C'est les Vivid de Maybelline, puis la couleur c'est Hot Plum, ok. Quand je l'ai essayé, je trouvais que ça faisait plus mauve que rose, mais je trouvais que la couleur était vraiment trop belle, puis je me suis dit, pas grave, achète-le pareil. Donc maintenant, on va y aller avec les vêtements. Ce que j'ai acheté au Aéropostal, le Big, là, à Times Square, là, que McBarbie a fait son meet-up, là. J'ai acheté ça, c'était cardigan, là. Il est bleu marin, en fait. Puis je l'ai acheté aussi en gris. YOLO. Non mais je trouvais ça beau au début, je voulais juste, je sais pas, là, je filais comme pour avoir de quoi de bleu marin, je sais pas. Puis là j'ai pris lui, puis après je fais ah, gris aussi. On est étrange c'est ça en fait pour des choses qu'on... Fait que j'allais aussi gris. Il est comme ça là, il est full baggy, si je peux me permettre. Oh. Mais oui, tu peux te permettre. Comme ça, ça ressemble à ça à l'arrière. Puis là les manches, oups, comme ça là. Vous voyez là, je pense. Avant que je parte à New York, j'avais. Je faisais mes kits de linge, puis là je voulais ma camisole noire, puis elle était disparue. Fait que rendu au Aéropostal, je m'en suis acheté une autre. Comme ça, ben normal. Ça aussi c'était très spontané, j'ai acheté ce gilet là, qui dit I love boys with accent. Parce que ça m'a fait penser à One Direction. Fait que c'est ça, j'ai acheté ça. Tout le monde l'a aussi. Plein de monde qui l'avait dans la rue quand j'étais là-bas. Parce que là, j'ai un nouveau travail depuis que je suis revenue à New York. Puis j'ai juste le droit d'acheter des vêtements qui viennent de là ou du noir.
Puis là, je me suis acheté des affaires pour travailler. Je me suis acheté une jupe comme ça, là, bien normal. Avec des espèces de lignes. Et ben, ben tight. Ok. Comme ça, noir. Pour travailler. Puis, j'ai acheté une robe comme ça. Pour travailler. Assez simple aussi. Pas de manches. Puis c'est ça en arrière. Attends, avec une zip. En haut du genou, là. En haut du genou. Mais pas full haut. Fait que c'est approprié. Puis un zip en arrière. Puis il l'aimait beaucoup. Puis finalement, après, je suis passée comme 10 000 fois devant un mannequin qui avait des bottes. Puis j'étais là. Je les voudrais. Puis j'ai acheté. C'est les bottes comme ça ici. Et comme bad boots, là. Puis tout le monde. Puis on dirait. Je pense que c'est genre une imitation de ceux de Steve Madden. Avec des studs de même. Du coup, comme ça. Je les aimais fou, fait que je les ai achetés. Ensuite, on est allé au H&M, mais je prévoyais pas acheter de quoi. Ça m'a juste tombé dans la face. Je pensais, moi, à m'acheter des linges pour travailler. Qui est comme ça, là, noir, ben normal. Elle est quand même assez longue. Je pourrais. Dans la vraie vie, je pourrais la mettre avec des leggings, mais pas pour travailler parce qu'ils sont pas fans des leggings. Mais comme ça, comme ça, là, avec des boutons et de la dentelle. Pareil dans le dos. Et ensuite, je l'aime tellement ce gilet-là avec un gros minou. C'est gelé comme ça. J'ai peur! Il est full confortable, pis moi je le trouve mignon. C'est spécial. Il y a une fille, elle m'a demandé. Ben, elle m'a pas demandé, en fait, elle m'a dit mon fleur il était beau, pis là, je lui ai dit qu'il venait du CGM parce que j'étais vraiment fière de ma trouvaille. Ok, c'est un fleur comme ça, c'est un fleur Infinity. Mais tu peux aussi le mettre comme en fleur normal, là. C'est pour toi. Ouais. En fond, il y a un trou dans le milieu, là. Wow, c'est dur à voir, là. C'est fou. Il y a un trou dans le milieu, là. Regardez comme ça. Puis ça comme les jeux là, pour les chiens, là, les gros. Ce que je trouvais vraiment beau, d'un, c'est la couleur. Puis au tic géant, quand j'étais avec mon ami, en même temps d'acheter mon fond, mon fleur, ben, je me suis acheté un chandail de même, là. Il est vraiment normal. Ben, il est normal. Du bas de base. La normalité, c'est relative. Je sais pas, là. Je comprends pas tant les motifs que tu, mais en tout cas, il est comme gris foncé, puis il y a des motifs blancs dessus, là. Ça fait un effet quelconque, là. Il est trois quarts. Il est bien confortable, là. Il était pas cher. Je pense qu'il était ça 9 ou 10 dollars aussi. J'étais juste bien dedans. J'ai commandé une paire de jeggings, donc moi j'ai besoin dans la vie d'avoir plusieurs couleurs de paires de pantalons, bref. Donc ils sont comme ça. Ils sont skinny. C'est dur de montrer des pantalons, vous voyez. Donc pour elle, là, c'est une drôle de couleur. Ils sont aussi Destroy en avant. Un peu là. Mais c'est vraiment une drôle de couleur. C'est comme foncé dans le bas, puis en haut, puis dans le milieu, c'est comme un peu délavé là. Pour vrai, quand je les ai mis sur le coup, je trouvais ça bizarre. Je n'étais pas habituée à avoir un pantalon. Tu sais, je suis plus comme pantalon uni, mais là, je trouve que c'est pas super. Tu sors de ta zone de confort. Ouais. J'ai acheté aussi une autre paire de pantalons, une paire de jegging aussi. Ils sont taille haute, ok, puis ça me surprend. Mais ils sont taille haute, mais ils sont pas si taille haute que ça, parce que c'est pas le genre de modèle qui me va vraiment bien, là, comme moi je trouve. Je les ai pris haut. Je pense aux Stitches, aux Urban Planet, peu importe, c'est la même chose. C'est plus vert, mais pas vert forêt. Vert olive. Ouais, ils sont vraiment plus verts. Les autres étaient plus pâles, comme avec des tons beige. C'est vraiment comme vert pétale. Mais j'aime ça. Comme je vous le dis, c'est des pantalons que je ne mettais pas avant, mais ça me va bien. Maintenant. Ensuite, oh mon dieu, ce chandail-là, je l'aime tellement. Donc, quand j'ai eu le cadeau de retourner au Dynamite, c'est un gilet comme ça. Donc, mais normal, là, c'est un petit gilet de laine. Ben, un gilet de laine. Ça t'aise comme un coton. Là. Bref, très confortable. Okay. Il est rayé blanc là, en haut, il y a moins de rayures, donc ça fait comme le col genre uni. Puis après, il y a des rayures, c'est des manches trois quarts, puis ils sont déjà pliés un peu comme ça. Puis en arrière, il y a un zip, puis il y a une espèce de truc comme ça là. Mais pour rien le voir, j'adore. Alors, Thèse, j'avais passé aussi une commande de Tifara 21, qui a ce gilet là comme ça, qui fait du color black. J'aime toujours ça. Donc, il est comme ça là, en haut, les rayures sont comme marines, puis en bas, c'est genre turquoise. Je l'aime bien, il en mange l'ombre. Je l'avais mis dans notre vidéo de Accept Tag. Il est vraiment bien dedans. Ensuite, j'ai mon classique des classiques. Je vais vous dire n'importe qui me connaît, le sait. Les rayures. Le noir. Il a de l'air vraiment court demain, mais il est pas si pire que ça. On est bien dedans. Donc, je l'ai rayé noir, manche l'ombre, un classique. C'est tout rayé, tes enfants. Hein? C'est un classique. Ben, j'espère. Puis celui-là, je ne l'ai pas encore porté. Puis je sais pas pourquoi. Mais on est vraiment bien dedans. Lui, il est vraiment en coton mince, là. On est vraiment confortable dedans. Puis il est collé en haut, là. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est comme bleu marin. Puis les rayures sont correctes. On est bien dedans. J'étais allée aux Stitches, je crois. J'ai acheté un chandail comme ça. Donc ici, il y a une espèce de simili-cuir étrange, là, en haut des épaules. Puis dessus, il y a deux éléphants.
Donc une camisole comme ça, il y a deux têtes de mort dessus de chaque côté, dans le même principe que mon chandail avec les éléphants. Mais j'avais vu ça, puis ça me trottait dans la tête, pour dire qu'il me le fallait. Il me le fallait. C'est un bini. Un truc. C'est comme vous voulez. Donc on se met comme ça, là. Ouais, mais là c'est pas beau, là, parce que j'ai les cheveux courts, là, mais je le voulais. Dans le fond, quand Mac Barbie au 7 avait fait son vidéo, genre son meet-up du aéropostal, c'est que t'es allée, mais t'étais pas au meet-up. Quand elle a posté son vidéo, tu sais, j'étais allée écouter tout de suite, j'écoute toujours ses vidéos. Puis là, quand elle a montré les outfits, genre ses morceaux préférés qu'elle aimait, puis qu'elle a montré cette jacket-là, j'étais là, wow, je le veux. Donc évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Donc vous l'avez probablement déjà vu, un manteau comme ça. C'est un manteau du style militaire, mais dessus, comme elle l'explique dans son vidéo, c'est pas des motifs comme d'armée, c'est vraiment des fleurs. Puis ça donne un effet justement à style armée, là. Mais je trouve ça trop joli, j'étais là, wow! Pour vrai, là, j'étais pas sûre, je mettrais jamais ça de ma vie, mais pourtant, quand je l'avais, je trouve vraiment qu'il me fait bien. Puis ce que j'aime surtout, là, c'est les manches que tu peux faire, en fond. Tu sais, des boutons, puis tu peux les remonter, puis ça te fait comme, tu sais, trois quarts, puis tu peux le mettre en manche longue aussi. Puis à la taille, il y a... Ouh! À la taille, il y a des cordons comme ça, donc tu peux cintrer. C'est ça qu'on dit? Ouais, tu peux cintrer, donc, à ta taille. Donc, ça affine la taille, c'est vachement chouette. Donc, pour vrai, là, je l'aime beaucoup, là, je suis vraiment contente de mon achat. C'est pas tant random, là, c'est une des affaires de One Direction. Fait que si vous aimez pas ça, ben. Je m'en fous. Fait que j'ai acheté une revue. Elle va partir parce que. Il y avait rien d'autre à faire à l'arrêt de bus. Puis à sa rue. Sur la rue où est-ce que de leur hôtel. En tout cas, il y avait un gars qui vendait des photos, puis c'était une pièce, puis je l'ai acheté. On est allé au Office Depot. Avec la ferme intention de ramener des cahiers, puis c'est ce qu'on a fait. Fait que je me suis acheté un gros cahier avec Harry, puis deux petits, un avec Louis, puis avec Nag. Ouais, donc moi, la dernière affaire, dans le fond, ma catégorie random, la tienne. Ce que j'ai, c'est deux chandelles de Bath & Body favorites de l'automne. Donc moi, je suis équipée. J'avais pas besoin de me racheter d'autres chandelles, les autres, mais qui ont royalement. Donc c'est les deux comme ça, puis je sais que les noms se ressemblent, puis que les odeurs aussi, mais je pouvais pas me décider, ok? Trop, mais pour vrai, je savais pas me décider entre les deux odeurs. Donc la première, celle que j'ai faite brûler à la date, c'est automne. Sérieux, le wow. Oh, je capote, ça sent tellement bon, là. Donc c'est celle-ci, c'est journée d'automne. Je sais, automne, journée d'automne. C'est vrai que c'est pareil. Mais l'odeur est pas pareille, c'est ça? Moi? En fait, par exprès. Ah, oh, ça sent tellement bon. Ah, oh, je sais pas ce que ça sent vraiment, là. Je sais pas les ingrédients qu'ils ont mis là-dedans, mais ça sent bon, là. Sérieux, là. Ah, oh, je pouvais même pas décider, là. J'étais là, je partais, je prends elle, puis là, bon, elle était là, elle va prendre les deux. J'étais là, ah, ben, finalement, j'ai pris les deux. Je peux pas rien faire d'autre. On espère beaucoup que vous avez apprécié notre vidéo, puis on se revoit bientôt. Bye bye!